Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 10 avril 2021. J'espère que tout le monde va très 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 bien. Alors déjà, je voudrais remercier donc un couple d'abonnés qui habitent dans le secteur et je ne savais pas du tout et qui m'a offert un beau bouquet de tulipes qui n'ont rien à voir, des tulipes du jardin. Qui n'ont rien à voir avec les tulipes que vous achetez comme ça dans les grandes surfaces, etc. Je vais vous montrer assez rapidement. Voilà, on voit que ce sont quand même des tulipes du jardin. Donc je redescends mon trépied. Alors c'est dommage, on ne les voit pas, on voit que les tiges des tulipes. Donc je les remercie, hein. C'est un couple d'un certain âge. Dans la bienveillance et voilà, je leur fais un bisou au passage. Donc je vous avais dit que j'attendais donc des révélations, puisque je vous avais parlé de révélations, j'attendais que les choses tombent. Donc oui, il se passe pas mal de choses, d'accord? Donc pour commencer, bien sûr que tout le monde est au courant, d'accord? Au Royaume-Uni, on apprend que le... Comment dire? Le prince Philippe, le duc époux de la reine Élisabeth II, est décédé à 99 ans. D'accord? On va nous dire, bah oui, il n'était pas jeune, hein, c'est l'âge, mais mais. D'accord? Qui vous dit qu'il n'est pas parti avant et qu'on nous le dit maintenant? Il y a tellement de choses qui sont en sous-marin, des mensonges dans les médias qu'on. Il y a certaines personnes qui ne savent plus si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est vrai qu'il est décédé maintenant, etc., etc. Là où je vais en venir, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, rappelez-vous, je suis désolée, je voyais le décès du pape. D'accord? Donc, quelque part, je pense que le pape aussi a dû être couronné aussi, je pense. Hein, il y a peut-être un lien avec une couronne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment dire? Mais je ne retire pas ce que j'ai vu sur le pape depuis très longtemps. Je vous avais dit que son décès depuis très longtemps. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, il faut aller voir mes vidéos antérieures. D'accord? Donc, c'est vrai que j'avais vu ceci depuis longtemps et je vous avais dit qu'on apprendrait. Le pape, c'est quand même une personne quand même qui est assez connue dans le monde, d'accord? Et cet époux de la reine Élisabeth II est également une personne qui a été quand même reconnue et connue et qui a été élevée, etc. Vous connaissez un petit peu donc certainement sa vie, d'accord? Donc, vous voyez, je vous avais dit que je voyais un décès vis-à-vis du pape, d'accord? Mais quelque part, le pape a certainement, je ne sais pas, je ne connais pas, hein, je ne regarde pas, etc. Je pense qu'il a dû porter ou avoir au-dessus une couronne, je ne sais pas. Je vois quelque chose comme ça, d'accord? Donc quelque part, je pense que c'est lié aussi, d'accord? Mais tout ça ne retire pas que je vois toujours le décès de ce pape, d'accord? Alors, est-ce qu'il est déjà mort? Je n'en sais rien. Voilà, il y a des on-dit, il y a des ceci, des cela. Mais ça, je l'avais dit à plusieurs reprises, hein, si vous me suivez depuis longtemps, d'accord? Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, merci à vous. Je réponds oui, Christine B. Beaucoup de bugs, c'est vrai. Merci et bisous. Super. Alors, je ne sais pas si on dit Marine ou Marin. Marin Mylène. D'accord, donc bisous aussi. Anne, merci Anne Dugaret, parce que j'ai plusieurs Anne. Donc merci pour le bien aligné. Et pourtant, Dieu sait qu'en ce moment, j'en prends plein la face des drôles de énergies en ce moment pour la synchronicité. D'accord. Merci aussi à Valérie. Et puis, on parle aussi d'addiction, etc. J'ai eu aussi quelque chose qui a parlé à certaines personnes, une personne aussi. Merci ES, merci donc à Evelyne également. Merci Monique pour votre bienveillance à mon égard.
Et oui, je vous dis tout le temps de garder l'espoir, car il y a encore des révélations, d'accord? Il y a encore des révélations. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des choses qui se passent en sous-marin, etc., 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 d'accord? On vous montre aussi dans les merdias, parce qu'on me l'a dit, une abonnée me l'a dit, qu'en Italie, il y a des chambres à câlins pour les seigneurs. C'est une horreur, parce que vous voyez, donc, vous savez, comme ceux qui sont... comment dire, dans des laboratoires, etc. Vous avez certainement dû voir ça dans des films. On les voit rentrer leurs mains. Ils ont des, voilà, ils ont quelque chose dessus là, et puis ils touchent la personne. Voilà, voilà comment les câlins sont faits là-bas. Mais je vous dis qu'il y a des choses qui allaient basculer. Hein, si vous vous rappelez, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc tout ça, c'est des câlins avec les seigneurs pour, comment dire. Certainement des membres de la famille, etc. Donc, on m'a dit ça et... Ah, j'ai oublié d'allumer la bougie, excusez-moi. Toute petite flamme. Donc, malgré ce qui se passe, ce qu'on vous montre dans les merdias, le mieux, ce serait de ne plus regarder des choses comme ceci dans les merdias. D'accord? On a parlé aussi de feu encore devant une mosquée. D'accord? Donc on parle encore de feu en France. Donc je dirais que ce n'est pas un hasard non plus, hein, d'après mes ressentis. Et encore, il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé encore dans mes canalisations, où je voyais des volcans en éruption. Il y en a eu quand même. Hein. Et là, on parle d'un volcan. Alors je ne sais pas si c'est sur l'île caribéenne. Voilà. Donc je pense que c'est sûrement à côté de l'eau. Voilà, il y a eu des personnes évacuées. On a vu aussi donc la fumée qui est sortie. Donc quelque part, hein, je vous l'avais dit avec une certaine carte, je ne vais pas la ressortir. Je vous avais dit que je voyais beaucoup de volcans en éruption, des tremblements de terre, parce que la terre se purifie aussi, la terre est énergie, la terre bouge. Donc quelque part, je ne me suis pas trompée. Je ne savais pas où, mais on parle d'une éruption à l'île Co. Alors, je ne sais pas si c'est caribéenne, donc s'il y en a qui veulent mettre des commentaires à ce sujet. Et donc, il y a eu des personnes quand même évacuées. Donc, je vous avais dit à plusieurs reprises, nettoyage, la purification de la terre, etc. Donc, il y a eu aussi des graves révélations en ce qui concerne les enfants. Hein, ça, je vous en avais parlé aussi, des enfants, des enfants, des enfants. Eh bien, on parle des enfants violés au Texas dans les cages de JB, si vous voyez qui je veux dire, je ne vais pas dire son nom, d'accord? Donc, ce sont des révélations du gouverneur, le gouverneur du Texas. Donc, ce n'est pas rien, et ce sont des graves révélations en ce qui concerne des enfants violés au Texas dans des cages de JB, d'accord? J'ai appris aussi également sur les réseaux sociaux donc le décès de DMX, donc le rappeur new-yorkais. Voilà, c'est à vous de faire votre propre analyse. Je dis aussi merci à la Guadeloupe, bisous et merci pour Nouki, c'est très gentil. Bisous à tout le monde. Marilène, courage, courage, courage. D'accord? Donc voilà, j'avais parlé dans une canalisation pour 2021, j'ai fait jusqu'à 2000, je sais plus combien. Voilà, tout ce qui est au niveau des énergies de la Terre, etc. Que la Terre bouge, la Terre se purifie aussi. Hein, il y a un grand nettoyage qui se fait de tous les côtés. Voilà. Vis-à-vis de ce que je vous ai dit, hein, des enfants violés au Texas dans les cages de JB, c'est le gouverneur du Texas qui a révélé ces choses quand même qui sont graves sur la situation, c'est des enfants immigrants, d'accord? Il y a aussi des révélations sur les réseaux sociaux au niveau de la santé sanitaire. Ça également, je vous en avais parlé, d'accord? Donc, entre autres... La la la, lian, ce, humaine, d'accord? Il y a un sacré réveil vis-à-vis du peuple chilien, d'accord? Beaucoup de mouvements, de feux, de casse, d'accord? Et ils se serviraient donc de laser pour faire reculer, d'accord?
Il y a eu aussi donc un laser pour faire reculer et un laser aussi sur un drone de surveillance, d'accord, pour éblouir. Donc je répète ce que j'ai entendu parce que c'est important aussi là. Et je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui vont suivre, d'accord. Au niveau aussi donc des saisons, je vous avais sorti printemps, été depuis longtemps 2021. Après il était sorti l'automne, etc. Donc j'ai pu écouter un petit peu Nacera et puis donc Agnès Tarot. Voilà, ils ont fait un duo, c'est super. Et quelque part, nous sommes plusieurs à vous le dire, d'accord? Aussi avec nos ressentis personnels. Il y a aussi donc sur la chaîne de YouTube l'Oracle également et bien d'autres sur YouTube qui en parlent, d'accord? Donc on parle de printemps, été, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est, comme je vous avais dit, hein, il y aurait une fin. Hein. Toute chose a une fin, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas me répéter, mais en ce qui concerne aussi la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a une fin. Il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas qui ne croyaient pas vis-à-vis de ce qui se passait. Malheureusement, pour les personnes qui étaient qui partaient dans des trains comme des bestiaux, qui étaient amenés dans des camps de concentration, etc. Enfin, je ne vais pas refaire et raconter l'histoire qui est quand même assez sombre. Il y a eu une fin, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut, comme je dis toujours, garder le cap, garder le moral, même si ce n'est pas évident. Il y a quelque chose qui se trame, je vous l'ai dit, on est presque à la fin. Comme je l'ai dit, on est presque au bout du tunnel. Voilà, puisqu'il est sorti à plusieurs reprises, la réussite, l'issue, etc., etc. Donc, je ne vais pas me répéter, mais voilà, je suis venue uniquement pour vous dire ceci, vis-à-vis de ce que je vous ai annoncé pendant toute cette année, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, qu'il y a des choses, il se passe des choses. Donc, il y a des personnes qui ne voient pas tout, parce qu'il y a des personnes qui sont bien éveillées. Voilà, il y a d'autres personnes qui ont encore ce voile devant leurs yeux, d'accord? Et comme je le dis tout le temps, nous sommes créateurs de nos propres pensées, dans notre propre vie, d'accord? Donc plus nous allons penser dans le positif, et mieux ce sera pour tout le monde, d'accord? Et comme je le disais aussi, j'ai partagé aussi à plusieurs reprises des personnes qui faisaient aussi ces êtres de lumière. Qui travaillent aussi donc sur la Terre. Quand je dis qu'il faut visionner la Terre, d'accord, visionner le vivant. Quand je parle du vivant, c'est aussi donc l'être humain, c'est les animaux, c'est le végétal, c'est tout ceci, d'accord. Et comme je disais aussi il y a quelques temps en arrière, être relié par un fil doré et entourer la terre de ce fil doré et voir des cœurs partout sur la terre, etc. Voilà, voir du positif, voir de l'amour. Hein, il faut y arriver comme ceci aussi. Hein. Je vous avais dit qu'il y aurait des choses qui allaient bouger aussi. Donc ça ferait comme je disais tout le temps, comme un effet domino. D'accord? Ça va partir d'un pays pour aller, puis les autres pays vont suivre. Donc il y a des choses qui se passent, effectivement. Hein, quand je vous disais que je voyais le blocage de certaines choses, etc., etc. Donc, oui, nous sommes pas loin d'apprendre encore d'autres révélations, d'autres vérités, comme je disais au départ, des mises en lumière. Et oui, il va y en avoir, d'accord? Il y a plein de choses qui se passent où ça peut être révélateur pour certaines personnes et d'autres qui ont le voile devant les yeux et qui ne voient pas parfois certains petits détails qui sont des fois importants. D'accord? Donc voilà, c'est peut-être pas très long. Donc je reviendrai donc demain. J'ai pris du retard. Demain pour vous sortir donc des messages des anges, de l'univers, etc., etc. En plus, demain c'est dimanche, c'est un bon jour. Voilà. Alors ici, nous avons un temps grisâtre. De la pluie, mais pas de soleil. Voilà, on retourne dans le gris. Donc on est dans le gris, on est dans. Voilà, c'est comme ça. Bon, ben ça va passer, hein. Et puis encore de basses températures encore pour le début de la semaine à venir, ici dans le Grand Est. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc on garde toujours la foi, c'est très important.
comment dire, on garde le cap, on garde sa lumière, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas ce qui se passe, il y a des choses qui se passent, d'accord? Quand je vous disais en sous-marin, que c'est sous-jacent, parfois même dans les merdiers, on peut avoir des choses révélatrices. D'accord? Il suffit bien de canaliser, bien d'analyser certaines choses. Regardez encore, j'insiste encore énormément sur certaines chaînes. On voit des personnes, ils sont éloignés, certes, mais ils n'ont pas de masque. D'accord? Ils n'ont pas de masque. Je vous avais dit aussi, c'est des petits détails tout bêtes, c'est futile, mais tout le monde se fait maquiller quand on arrive sur un plateau télé. Donc automatiquement, si ils se font maquiller, que ce soit femme ou homme, ils ne peuvent pas avoir le masque. Et quand un mec, quand une, comment dire, une esthéticienne hein, qui maquille des personnes, etc., parfois elle doit être proche de la personne. D'accord? Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du contexte. D'accord? Alors il y en a d'autres, oui, des grands professeurs, des ceci pour faire bien, ils vont vous mettre ce punaise de masque sur leur visage pour montrer, oh là 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 là, c'est affolant tout ce qui arrive, d'accord? Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas ce masque. Faites bien attention si vous regardez, vous zappez sur plusieurs chaînes, la 2, la 1, etc. Parfois ils sont à 3 à discuter, c'est vrai qu'ils sont éloignés, mais ils n'ont pas de masque. Alors que là, on vous raconte que c'est vraiment grave tout ce qui se passe, sous ces variantes, etc., etc. Et on vous dit de mettre des masques et ceci et cela. Enfin, vous connaissez la musique, hein. Pourquoi eux n'ont pas de masque? Posez-vous bien les bonnes questions. Les personnes se font coiffer aussi quand vous allez sur un plateau télé, quand vous tournez des films aussi, hein. Les gens se font maquiller. Il y a des hommes aussi qui se font maquiller. Il n'y a pas que des femmes. Hein, si vous voyez bien, ils ont bien un teint. C'est pas tout le monde, mais enfin, il y en a beaucoup quand même. Hein. Vous, si vous regardez bien, les hommes, il y en a qui ont des petits crayons sous l'œil, c'est discret, du récil, etc. pour agrandir les yeux. Ils ont aussi des poudres, des fonds de teint, enfin, tout un truc comme ça. Donc, automatiquement, quand on se fait maquiller, puisque moi, personnellement, j'étais dans la coiffure avant et j'ai travaillé dans des salons qui avaient des esthéticiennes, pardon, je voyais plus ou moins comment ça se passe et j'ai maquillé aussi donc des personnes. Parfois, on est obligé d'être près de ces personnes ou d'être en face, d'accord? Donc, en face, vous êtes en face de la personne. Donc, si la personne que vous maquillez qui est en face de vous, la personne qui se fait maquiller n'a pas de masque, c'est pas possible. Autrement, elle aurait la marque du masque. Faut pas être. Voilà, ça, c'est de la logique tout simplement. Donc, tout ça, c'est des petits détails quand même à bien regarder, mais c'est vrai que là ça devient un petit peu plus anxiogène. Voilà, il y a de la com, il y a du racolage, tout ce qui concerne la crise sanitaire, d'accord? Hein, on vous fait de la pub, etc., etc. Mais comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui tombe, d'accord? On arrive à la fin de ce tunnel, on commence à voir la lumière au bout de ce tunnel, d'accord? Donc, oui, il y a des choses qui se passent en sous-marin, d'accord? Mais c'est à vous aussi de faire vos recherches dans le bon sens, et d'accord? Et c'est pas dans les merdias que vous allez trouver des vérités, quoi que parfois ils font des couacs. Voilà, faut bien analyser, etc. Mais le mieux, c'est de ne plus écouter ces merdias. De toute façon, comme je vous l'avais dit, depuis très longtemps, il y a des journalistes, etc., qui vont tomber également. Hein, d'accord? Surtout une certaine chaîne. Il y a aussi une abonnée qui m'a dit le nom de la personne que je vous ai dit qu'on voyait plus sur BFM Télé. J'ai une amie qui regarde de temps en temps BFM Télé. Personnellement, elle l'a pas vue depuis longtemps. Donc, je sais pas. Donc, je reviendrai vers vous donc demain, d'accord? Il faut vraiment que je fasse ce tirage vis-à-vis de avril qui est déjà commencé, bien entamé d'ailleurs. Et puis mai. Donc, ce sera peut-être avril, mai, juin. Mais je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne par canalisation. Et quand je fais les cartes, je laisse parler les cartes. Et c'est vrai que c'est rare quand je pose des questions. Donc, il y a des personnes qui des fois peuvent ne pas suivre, ça peut être compliqué. Parce que je vous ai dit, quand on annonce des choses, ça peut arriver le lendemain, le surlendemain, ça peut arriver 3 jours, 6 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même voire 1 an après. D'accord? Donc il faut laisser le temps au temps.
D'accord, faire les choses, il faut qu'il y a encore des personnes qui doivent encore voir certaines choses qui arrivent malheureusement pour aider aussi à les éveiller. D'accord? Donc voilà. Alors je vous fais plein plein de bisous, je vous souhaite une agréable soirée ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont visionner ce partage que je fais donc aujourd'hui en ce samedi, peut-être vont visionner donc demain. Mais en attendant, je vous retrouve demain. Pour voir un petit peu les énergies aussi avec, avec les anges, avec aussi donc le grand oracle des fées, etc. etc. D'accord? Et je reviendrai ultérieurement pour voir pour autre chose aussi et laisser parler des cartes aussi. D'accord? Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien fort. Et soyez dans la lumière, soyez dans la foi. Comme je vous dis, il y a la justice terrestre, mais il y a aussi la justice divine. D'accord? L'univers œuvre. Ça, faut bien le savoir. L'univers œuvre. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous.